Une petite mouglie derrière qui fait ses patounes. Hello à tous et bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'aurais peut-être dû même dire hello le vlog comme j'ai l'habitude de vous le dire. Alors que je m'explique, donc déjà je voulais vous faire un tout petit rapide update sourcils. Donc en fait je vous montre à quoi ça ressemble aujourd'hui après un mois. Sachant que je vais aller faire ma première retouche là dans une heure. Donc en fait si vous voulez, voilà comment ça a évolué. Donc moi je trouve ça un petit peu trop clair sur le devant. Je préfère quand c'est assez uniforme, elle m'avait fait ça assez clair pour avoir un effet un peu plus naturel. Donc c'est plus foncé que ce que j'avais avant, et puis c'est beaucoup plus rempli que ce que j'avais avant, mais je trouve que ça reste toujours un peu trop clair, donc j'ai l'habitude de déjà le remplir un peu, donc je pense que je vais lui demander un petit peu plus foncé. Sinon dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de mes nouvelles extensions de cheveux. Donc alors c'est pas sponso, je ne suis pas payée pour faire cette vidéo, je les ai reçues gratuitement certes, mais j'aurais pu vous faire juste un petit insta story en mode j'adore ces extensions et basta, mais elles sont vraiment tellement bien que j'ai envie de vous en parler. C'est vrai que généralement bah moi quand il y a des marques d'extension qui me contactaient, j'étais en mode ouais non en fait, enfin j'ai pas envie de tester parce que pour moi ça allait être bah disons-le de la merde. Et en réalité j'ai été extrêmement surprise par cette marque d'extension qui s'appelle Irresistible Me. On a autant la quantité que la qualité que le choix de longueur, enfin c'est vraiment stylé, je vais vous montrer. Donc cette vidéo je la fais aussi parce que j'ai eu beaucoup de mal à choisir les couleurs et donc du coup je leur ai demandé, j'ai eu du mal quand même à avoir gain de cause, mais je leur ai demandé de m'envoyer deux couleurs différentes. Moi ils m'avaient conseillé de prendre plus clair, donc de prendre du medium brown, et finalement la couleur qui me va le mieux c'est le chocolat brown, donc je vais vous montrer. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai pas d'extension, donc j'ai des cheveux très fins, très peu nombreux, enfin voilà. Si vous me connaissez depuis très longtemps, vous êtes au courant qu'à la base j'ai créé ma chaîne pour partager mes astuces sur les extensions. Clairement mes premières vidéos qui ne sont maintenant plus sur ma chaîne, bon, il y en a encore quelques-unes, mais c'était sur les extensions en fait, parce que bah, à la base j'ai découvert YouTube en cherchant une marque d'extension. Je suivais Nicole Guerriero qui parlait beaucoup des SKR, mais ils fonctionnent plus, ils ont fait faillite et il n'y a plus rien, on ne pouvait plus commander dessus. Donc on reçoit les cheveux, il y en a partout, on reçoit les cheveux donc dans une boîte comme ça, donc ça c'est pas utile de vous le montrer, vous avez ça aussi, du coup vous avez une mèche que vous pouvez utiliser au début, donc bon ça c'est un petit peu comme chez tout le monde. Mais du coup que je monte les cheveux parce que là je vous tease un petit peu beaucoup pour rien. Voici les premières extensions que j'ai reçues, donc c'était les medium brown, donc voilà. Donc une couleur assez claire par rapport à mes cheveux à moi. La marque m'avait dit que ça allait bien m'aller et qu'au final ça allait bien se fondre dans les cheveux. Mais clairement bah moi je vois vraiment la différence. Enfin bon, il y en a beaucoup qui la voient pas, mais moi j'ai vraiment un œil un peu perfectionniste là-dessus. Et j'aime bien avoir les cheveux plus foncés en fait. Je trouvais que c'était trop clair et ça m'allait pas vraiment. Vous allez avoir mon geeky miaule parce qu'il est contrarié. Je l'ai envoyé balader. Et donc voilà, donc ça c'est 20 inches. Donc c'est, vous allez voir, vous avez plusieurs longueurs. Vous avez 14, vous avez 16, 18, je crois, 20 jusqu'à 24. Donc ça a été très long. Ça, je trouvais ça déjà très long. Si bien que du coup, pour la deuxième commande, j'ai demandé à avoir des cheveux en 14, donc les plus courtes. Et c'est ce qui me convient le mieux en fait, je pense, aujourd'hui. Et donc c'est celle-là, donc c'est celle que j'ai l'habitude de mettre aujourd'hui. Donc c'est un petit peu différent de ma couleur naturelle, mais quand je les mets en fait ça se fond tellement bien que j'ai vraiment l'impression que c'est mes vrais cheveux en fait. Et dans ma dernière vidéo sur Shake Up, il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'avais fait une couleur, qui m'ont dit que ça m'allait bien. Donc je suis super contente, donc voilà pour cette extension. Donc vous avez l'impression qu'il n'y a que ça, mais attendez. En fait, pour tout vous dire, alors ça c'est ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc je mets cette quantité là. En fait c'est la moitié tout simplement, parce que moi j'ai pas besoin d'avoir toutes ces masses là. En fait j'ai pris du 14 inches. Et je crois que c'est 200 grammes, 200 grammes de cheveux. Donc voilà, vous avez 200 grammes de cheveux. Donc c'est énorme. Sauf que bon bah moi vu que j'ai pas énormément de cheveux, j'ai pas besoin de tout ça. Donc ça c'est une partie que je ne mets pas et que je mettrai quand ceux-là seront abîmés sans doute. Et voilà. Et vous avez la même chose du coup pour les longues. Vous avez cette partie là qui est la partie que si je les colore, je pense que je vais les colorer à ma couleur pour avoir aussi l'alternative cheveux longs. Mais du coup si je les colore, ce sera juste cette partie là parce qu'il y a encore toute cette partie là de cheveux.
que je vais pas pouvoir mettre parce que c'est énorme en fait, c'est vraiment énorme, c'est vraiment 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 de la très très bonne qualité. Alors ceux-là pour le coup je les ai portés qu'une seule fois et bon, enfin j'ai eu vraiment du mal avec la différence de couleur, mais ceux-là, donc c'est plutôt ce paquet-là du coup que j'utilise, ce paquet-là. Ça fait un mois que je les utilise chaque jour et la qualité est vraiment dingue. Genre les cheveux sont brillants, enfin je suis vraiment conquise quoi. Genre pareil les clips, ils sont super confortables. C'est pas des clips vous savez qui se retournent ou vous avez peur que ça tombe, pas du tout. Genre c'est des clips qui tiennent vraiment très très bien, je vous les montre. Ils sont tout petits. Et ils se clipsent vraiment très très bien. Donc ça c'est vraiment un avantage pour ce genre de produit. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'aimerais savoir si j'étais vous? Peut-être voir vite fait la différence entre les deux couleurs. Moi c'était ça qui m'embêtait, c'est de pas savoir vraiment. Donc si vous êtes, voilà, si vous avez la même couleur de cheveux que moi, vaut mieux privilégier une couleur comme le chocolat brown que le, voilà, que le medium brown. Donc voilà, si ça peut vraiment vous permettre de bien voir la différence de couleur, je vous les mets vraiment côte à côte. Et voilà, vous pouvez... Bon, après, ça, c'est à côté du soleil, donc on voit peut-être... ouais, voilà. Là, pour le coup, on voit vraiment la différence de couleur. Donc c'est vraiment un brun plutôt clair, pas trop clair non plus, mais quand même assez clair. Et ça, par contre, c'est un brun un peu plus foncé. Je vais mettre celles que je ne mets pas parce qu'elles sont trop claires pour que vous voyez. Donc, ah oui, je vous ai pas parlé aussi de la signature waved. Donc en fait, c'est une bande qui est genre énorme. Donc ça, juste ça, c'est une bande en fait. C'est une seule bande. Donc voilà comment elle est. Pareil, au début j'avais peur que ce soit trop lourd, que ce soit désagréable à porter. Et au final, bah, ça me va très très bien. Et clairement, j'ai besoin que de cette bande-là. Donc pour cela, j'ai besoin que de cette bande-là et de deux autres bandes que je mets sur le côté. Mais pas toujours en fait. Généralement, j'ai besoin que de la bande en fait. Et vous pouvez aussi l'acheter à l'individuel. Genre que juste acheter la bande. Je pense que les prochaines fois, quand bah, je devrais acheter les extensions, déjà je retournerai sur ce site, c'est sûr. Et je prendrai juste la bande de derrière parce que bah, du coup, j'ai les autres que je vais pouvoir réutiliser. Là, du coup, je mets des cheveux qui vont pas aller avec ma couleur. Je vous ai prévenu. Mais c'est juste pour vous montrer au niveau de la longueur ce que ça donne. Donc là, hop, et ça se met ultra rapidement. Bon, après, moi, c'est vrai que ça fait bien 4 ans que je mets des extensions. Un an avant d'avoir commencé YouTube, donc et ça fait bien 4 ans. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc, comme vous voyez, au niveau de la couleur, moi, je trouve ça un petit peu trop clair. Après, moi, la dame me disait que c'était cette couleur-là qui m'allait le mieux. Mais j'ai du mal avec les couleurs trop claires. Je trouve que ça me va bof bof. Donc, hop, sur le côté, une bande comme ça, hop. Voilà, que ça se fonde bien. Enfin, vous voyez, on voit quand même la séparation, quoi. On voit que c'est plus foncé en haut et moi, j'ai quand même du mal avec ça. Voilà, donc ça, c'est la quantité que je mettrais si je mettais ces extensions-là. Donc voilà, ça donne ça. C'est assez long, mais pas trop non plus. C'est le 20 du coup. Et si vous voulez encore plus long, vous avez 24. Mais là, pour le coup, ça fait pas très naturel. Mais voilà ce que ça donne. Donc, je pense que je vais l'éteindre pour pouvoir avoir cette alternative de cheveux longs. Parce que bah, j'ai eu l'habitude de porter des extensions cheveux très très longs pendant très longtemps. Et maintenant, je vais vous mettre du coup ceux que j'ai l'habitude de mettre. C'est parti, on enlève tout ça. Je suis désolée si je parle vite, tout ça. C'est juste que je veux pas arriver en retard à mon rendez-vous de sourcils. Du coup, c'est dans moins d'une heure là. Faut que je me grouille un peu. Donc voilà, longueur 14. Donc beaucoup plus court. Et c'est parti. Bon, ça, c'est mes préférés. Je les aime beaucoup. J'aime bien les couleurs foncées. Je sépare en deux. Hop. Et j'applique. Hop. Donc, je vais vous montrer, même sans mettre les deux autres de devant. Genre, la quantité que ça me fait, voilà, je trouve que ça fait plus naturel. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Genre, juste une seule bande, comment ça me change la tête, comment ça me donne beaucoup plus de volume. Enfin, j'adore, je trouve ça trop trop cool. Ensuite, je vous mets les deux sur le côté, donc pareil, c'est rapide. Hop, on clipse. Voilà, comme ça, hop. Donc voilà. Et de l'autre côté. Hop. Voilà, je suis en train de réfléchir à ce que j'aurais pu oublier de vous dire, ce que j'aurais aimé en fait savoir avant de chercher les extensions. Hop, et voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est comme ça que vous avez l'habitude de me voir maintenant, parce que bah, c'est celle-là que je mets. Et bien qu'elle soit plus foncée, je trouve que... Bah,
la différence de couleur, elle se voit pas vraiment et que ça se fond vraiment bien en fait sur la tête. Et du coup voilà, je pense que c'est ma couleur. Donc si jamais vous avez des cheveux de la même couleur que moi, tournez-vous plutôt vers un chocolat brown qu'un medium brown. Mais donc voilà, au niveau des extensions, je vais les garder hein, pour toute la journée, pour même aller faire mes sourcils. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire, je vais vous mettre le lien du site en barre d'infos. Moi ce que j'ai pris, je vous mettrai aussi tout ce que j'ai pris, genre la couleur, la taille, tout ça. C'est des Royal Rémière, donc c'est des cheveux naturels. Quoi d'autre? Oui, attendez, je crois qu'ils m'ont envoyé un code promo sur dans mes mails. C'est pas mon code promo, hein. C'est genre, c'est pas chez Cup 20, hein. C'est un truc qui vous donne moins 20%. Quand il n'y a pas de... Je crois que c'est moins 20% sur la première commande, un truc comme ça. Je cherche. C'est ça. Donc, get 20 off. Je vous le mettrai dans tous les cas dans la barre d'infos. Mais pour votre première commande, si jamais il n'y a pas déjà des réductions. Parce que je sais qu'avec le Black Friday, le Cyber Monday, vous allez avoir des réductions. Je crois que c'est 35% ou quelque chose comme ça. Mais donc, c'est pas mal. Mais genre, par exemple, quand il n'y a pas ce genre de réduction sur le site et que vous voulez commander pour la première fois, vous avez moins 20% avec get 20 off. Donc, c'est bon à savoir. Ça vous fait quand même économiser pas mal. Je vous mettrai les prix aussi en barre d'infos. Généralement ça avoisine les 200$, mais du coup avec, bon, ça dépend aussi de la longueur que vous prenez et de la quantité de cheveux que vous prenez. Moi du coup pour ceux-là c'était du 200g et celle de 20 c'était 240 ou 260. Dans tous les cas je vous mets tout en barre d'infos. Je crois que c'est tout, vous avez le lien, les moins 20% c'est get 20 off. Et je crois que c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous dire de bien aussi là-dessus? Je crois que c'est tout. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'aurais voulu savoir si je cherchais des extensions. Bon, je crois que c'est bon, hein. Je crois que c'est bon, j'ai tout dit. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, je suis très enthousiaste et quand j'aime une marque, je le fais savoir. Et je ne m'avancerai pas autant si je n'étais pas sûre que vous seriez satisfait, tout simplement parce que j'ai rien à y gagner en fait. J'ai l'impression d'avoir des cheveux genre plein de vie en bonne santé alors que ce ne sont pas les miens. Mais c'est tout comme, hein. C'est vrai qu'on me fait de plus en plus de remarques sur mes cheveux, genre oh, ils sont beaux tes cheveux. Ouais, t'as fait quelque chose à tes cheveux. En fait j'ai juste changé d'extension parce que les anciennes étaient quand même très abîmées. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein d'énormes bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être appris des choses. Et il faut savoir que toutes les marques d'extension ne sont pas des marques médiocres et de mauvaise qualité. La preuve en est, moi j'avais vraiment un a priori sur ce genre de marque là. Pour moi c'était pas fourni, c'était ça, les cheveux tombés. Moi j'avais vraiment dans ma tête genre Esker c'était les meilleurs et je trouverais jamais aussi bien. Et finalement c'est vraiment une très belle alternative et vraiment stylé. Moi je sais que mes extensions je les ai gardées pendant bien plus d'un an. Si vous vous en occupez aussi bien que de vos vrais cheveux, que vous leur faites de temps en temps des soins, tout ça, ils resteront plein de vie et ils resteront de très bonne qualité. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de vous faire un petit peu plus de vlogs. J'ai fait poser une question sur Twitter et apparemment j'en fais plus assez. Je vais pas vous faire de vlogmas parce que c'est pas facile de se tenir à un vlog par jour. Il y a des jours qui servent un peu à rien, genre des jours où je fais pas des choses très intéressantes. Mais du coup je vais quand même essayer de vous en faire là fin novembre, toute l'année quoi. Je vais essayer de vous en faire un peu plus quand je fais des trucs cool parce que depuis le Canada j'ai pas fait grand chose et j'ai pu constater qu'il y en avait certains à qui ça manquait et ça me fait plaisir parce que j'y pense pas et c'est pas un réflexe que j'ai en fait de prendre la caméra partout et je devrais parce que c'est sympa de pouvoir vous retrouver aussi sur cette chaîne qui est un peu plus conviviale que l'autre. Et bien écoutez, très bonne journée à vous et puis à très vite et puis la prochaine fois que vous me verrez normalement j'aurai les sourcils un petit peu plus foncés. Voilà, bisous.